Bienvenue à tous. Dans ce tuto, on va essayer de voir comment publier donc notre chaîne YouTube sur Facebook, donc ou bien les vidéos sur Facebook. Donc, on va ajouter un onglet ici YouTube dans lequel les visiteurs vont voir directement les vidéos sur Facebook au lieu de se déplacer sur YouTube. Donc, ce qu'on va faire ici, donc vous entrez dans votre page. Donc soit votre profil ou bien si vous avez une autre page, donc comme moi ici j'ai mon profil, donc je vais ajouter donc la chaîne YouTube à ma page ici Aurica Tech. Donc on va ici on va écrire donc YouTube tab, donc on fait entrer ici qu'on voit ici on a une application donc YouTube tab, donc on va cliquer ici sur utiliser. Donc, on voit ici, donc on a notre application, donc YouTube Tab for Facebook. Donc, ici, on clique sur cet onglet Add this app to your page. Donc, on va cliquer. Ici, ajouter à l'onglet de page. Donc, on voit ici, on voit Select the Facebook page to add YouTube. Donc, ce qu'on va faire, donc vous cliquez ici. Donc, on voyait. Donc moi, il m'a pas donné la proposition de l'autre application. Donc je vais normalement c'est Aurica Tech. Donc je vais voir, je vais vérifier. Donc ici je suis sur. Donc je vais faire un actualiser. Voilà, je vais recommencer. Donc YouTube tab. Donc utiliser. Donc add this app to your page. Donc on va sélectionner la page. Donc on voit ici. J'ai une autre page, donc mais normalement c'est Aurica Tech qui est sélectionné. Donc vous, si vous avez d'autres choix ici, donc vous cliquez et ça va sélectionner. Donc vous sélectionnez ce que vous voulez. Donc après on va cliquer ici ajouter un onglet de page. Donc ajouter. Donc j'ai Aurica Tech, donc ça va normalement, ça va charger, donc je vais vérifier si j'ai mon onglet YouTube. Voilà, donc j'ai mon onglet YouTube, donc vous cliquez dessus, bon, donc parce que moi je l'ai fait tout à l'heure. Donc vous arrivez à cette fenêtre ici, donc cette page comme ça, donc comme ici. Donc maintenant on va essayer de configurer notre page, donc ce qu'on va faire. Donc on va cliquer, donc normalement on va cliquer ici. Donc ici, les paramètres de l'application. Donc YouTube Channel ID. Donc ce qu'on va faire, donc on va essayer de récupérer notre ID de notre chaîne YouTube. Donc vous allez sur votre chaîne YouTube. Donc vous connectez. Donc ma chaîne. Donc ce que je vais faire ici, vous cliquez, vous allez paramètres. Donc ici, vous cliquez sur paramètres ici directement. Donc vous arrivez à cette page. Donc et là, vous allez à paramètres avancés. Donc paramètres avancés. Donc ici, comme vous voyez, vous avez votre ID. Donc ce que vous allez, donc vous avez l'ID de l'utilisateur YouTube, donc vous et l'ID de votre chaîne. Donc ici, vous allez copier cette l'ID de votre chaîne, copier. Et vous allez retourner à votre page, donc les paramètres de votre application. Et vous allez ici, vous allez faire CTRL V. Vous allez faire autoriser votre chaîne. Donc vous allez cliquer sur ce lien. Donc et vous allez sélectionner donc
l'adresse qui correspond à votre chaîne YouTube. Donc, vous allez publier sur la page Facebook. Donc, c'est Horeca Tech. Et vous allez descendre ici, vous allez cliquer sur autoriser. Donc, vous pouvez lire ça, donc si vous voulez. Il se peut que vous partagez des infos ressources avec ce site ou cette application. Donc, voilà. Donc, lisez les conditions d'utilisation et les règles de confidentialité. Donc, vous cliquez sur autoriser. Et après, donc ici, qu'on voyait les options. Donc, ici, c'est les options l'ID des options de vidéo. Donc ici, vous pouvez donc le header image file. Donc vous pouvez ajouter un header à votre qu'on voit ici à votre quand vous cliquez sur YouTube. Donc vous ouvrez votre page. Donc vous avez le header comme ici. Donc si vous voulez faire un header, mais après vous pouvez le faire après quand vous voulez. Donc là, je vais vous montrer juste comment activer votre chaîne sur Facebook. Et après, c'est à vous de voir. Si vous voulez faire ajouter une bannière, une en-tête, bannière, ou bien c'est link, ça veut dire que si vous cliquez par exemple sur le header, donc ça vous dirige vers votre site web ou un site quelconque. Donc ici qu'on voyait Magic Link, donc what is that? Donc ça c'est juste qu'on voyait si vous cliquez ici, si vous arrivez à votre chaîne. Je crois. Donc après, ce que vous allez faire, c'est Save Setting. Donc vous cliquez sur Save Setting et ça va uploader tous vos vidéos sur cette application. Donc on voit ici. Donc vous avez tous vos vidéos sur la page YouTube. Donc ici, si vous cliquez sur Accueil. Donc, on voyait, je vais arriver à ma page d'accueil dans mon ma page Facebook. Donc, on voyait si j'ai. Parce qu'avant, j'ai commencé à faire des vidéos ici. Donc, attendez, je vais vous montrer. Mais ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, on voit ici. J'ai publié, donc vous publiez à chaque vidéo, chacun. Donc ici j'ai une autre vidéo. Donc ici voilà, donc je sais combien. Voilà. Donc on voit ici la différence entre celui-là et l'autre. Et l'autre, celui-là. Donc, si vous, normalement, si vous faites directement, vous publiez directement votre vidéo sur Facebook, donc il arrive de cette façon. Mais pour qu'il soit de cette façon-là, donc avec une miniature, donc qu'on voit ici, donc il faut, par exemple, utiliser des sites comme YouTube ou Facebook. Donc, il faut juste écrire ici. Publier YouTube to FB, vous allez arriver à des sites donc comme celui-là. Voilà, donc ici vous insérez votre lien de votre vidéo YouTube et après vous allez récupérer donc récupérer votre le lien donc qui va être convoyé ici. Donc ça change de cette forme à cette forme-là. Donc vous récupérez donc le lien et vous le mettez. Donc vous faites nouveau publication. Donc une nouvelle publication. Et après, vous insérez votre lien. Donc ici qu'on voyait. Donc on va descendre. Donc c'est ici. Donc écrire une publication. Et après, vous allez coller votre lien. Par exemple, ici, je vais vous montrer comment. Donc, il y a cette façon. Et je vais retourner à ma chaîne, donc YouTube. Donc, ma chaîne.
Par exemple, je clique sur cette vidéo. Donc le lien, c'est celui-là. Donc je vais faire copier. Et après, je vais ici. Je vais écrire, comme vous voyez ici, CTRL V. Please write. Donc ici, vous créez Create Link. Donc voilà. C'est mon lien. Donc vous faites copie et vous arrivez ici. Vous faites CTRL V. Et voilà votre vidéo. Donc après, vous publiez votre vidéo. Donc vous faites ici partager maintenant. Donc voilà votre vidéo. Donc je vais voir. Voilà votre vidéo. Si je fais par exemple, donc là, si vous le faites directement, vous aurez cette, comme vous voyez ici, comme on a vu la dernière fois. Donc je vais retourner, mais bon. Voilà. Donc maintenant qu'on voyait, donc on a créé, donc si vous voulez publier directement, donc une vidéo sur Facebook. Donc c'est cette façon. Et si vous voulez créer un onglet YouTube. Donc après, donc donc voilà qu'on voit ici. Donc on a notre vidéo et la description pour les vues. Donc pour ceux qui regardent les utilisateurs qui vont regarder la vidéo sur à partir du site anglais, les vues s'additionnent directement à votre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez ajouter ou bien publier les vidéos directement sur votre page, soit sur votre page de profil ou bien la page de compagnie. Soit ils vont vous faites publier, vous faites un onglet comme on a fait, qu'on a montré précédemment. Donc voilà, merci pour votre attention. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de me soutenir donc avec un like. Et abonnez-vous à ma chaîne donc pour plus de tutos. Donc merci et à la prochaine fois.